Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce vendredi 20 février pour des emplois identiques occupés au cours de leur carrière, deux fonctionnaires percevaient le plus ancien, 3000 francs, le plus jeune, 8000 francs. La retraite du premier était fixée au maximum à 1500 francs, celle du second dépasse 5300 francs. La veuve du premier reçoit 500 francs, la veuve du deuxième, 1800 francs. Puisque les veuves ne peuvent prétendre qu'au tiers de la pension accordée au conjoint décédé, celle-ci a cependant l'espoir très prochain d'atteindre 2650 francs. Le taux devant être fixé à 50% de la retraite du mari. Toutes ces améliorations étaient indispensables, il fallait les réaliser. Mais il eût été équitable de ne pas oublier totalement les vieux serviteurs, qui ont usé leur existence ont des fonctions le plus souvent mal rétribuées. La valeur de l'argent, pas plus pour eux que pour d'autres, nous établissons à partir du jour de leur retraite. Le retraité percevrait ainsi annuellement 1500 plus 1125 égale 2625, soit à peu près la moitié de la pension attribuée à son collègue plus jeune, dont la veuve jouit d'une pension de 1800 francs. C'est-à-dire le double de celle accordée à la veuve le plus ancien. Qu'après cela, j'ai eu reçu des lettres navrantes de vieillards, souvent chargés de famille, car il y a les enfants arrivés à l'âge adulte, mais infirmes, incapables ou malades les petits-enfants qui ne peuvent subvenir à leurs besoins. Nul ne s'en étonnera. Il faut peu de choses, dit-on, pour assurer l'existence d'un vieillard. Autrefois, c'était peut-être exact. Aujourd'hui, on n'est plus de même. Le sucre coûte 4 francs le kilo, un œuf en 5 ou 80 centimes. Et il vaut mieux ne pas parler des autres aliments, des boissons, des médicaments et des vêtements. L'action de M. Léo Bouziou, à la tribune de la Chambre, empêchera sans doute une grande injustice, car les retraités, les veuves et les orphelins, réduits à plus noire misère, Eussent été obligé de prendre la besace pour compléter par un appel à la charité publique les aliments insuffisants que l'État leur accorde. post l'administration française traite très mal ses retraités. La preuve en serait faite ici même par une série d'exemples concrets où les membres de la commission extra-parlementaire pourront trouver de judicieuses leçons de choses. Elle n'est d'ailleurs pas plus tendre envers les fonctionnaires des cadres secondaires en activité de service. Je suis saisi en ce moment d'une réclamation fondée par l'association d'expéditionnaires de la Caisse des dépôts et consignations. C'était le JT du siècle, la fois de notre histoire.